Allez, cher soleil, doucement, s'il te plaît, mets tes pieds dans la chambre de mon amour, puisqu'il dort. J'ai peur que le vent de printemps qui va frapper avec ton arrivée la chambre va réveiller mon amour. Attention, attention. Alors ça, c'était M. Siavosh Chajarian. Chajarian, c'est le numéro 1, on peut dire le numéro 2 du chant persan, qui est actuellement malade. Ça fait environ 2 ans qu'il est gravement malade. Plusieurs fois, on a dit qu'il est décédé. Après, on a dit non, il est toujours encore vivant, à l'hôpital. Et surtout avant-hier, le jour des élections, on a dit qu'il est mort. Après, tout de suite, ils ont dit non, il est toujours vivant, mais on ne le montre pas. On ne le montre pas, parce que c'est quelqu'un qui est très célèbre. La disparition de Chajarian va toucher le peuple iranien. Ils ont peur. Ils ont peur de l'annoncer si réellement il est mort ou non. Mais j'espère qu'il va rester encore vivant, longtemps. Vous le connaissez, une grande partie de, parmi vous, vous le connaissez, puisque plusieurs fois, il était invité par la mairie de Paris, et Théâtre de Paris, Théâtre Sarah Bernhardt, Théâtre de la Ville. Et il a donné plusieurs concerts là-bas depuis l'année 1990 jusqu'à 2000. Même on peut dire, voilà, Chajarian. Il y avait Shahram Nazir, il y avait Chajarian. Mais ce que je voulais vous dire au sujet du coronavirus en Iran, ça c'est très intéressant. Et restez ensemble avec moi, on va parler à ce sujet, mes chers amis.